Alors, est-ce que tu pourras nous expliquer ce que tu as fait dans cet atelier dédié au bambou, c'est ça? Alors. Alors, quoi? Le monsieur a créé un pot en bambou. À l'intérieur du bambou, il y a un peu de la vibration à l'intérieur. Des? Vibration. D'accord. Il sculpte le bois, la polie. Il retient les vibrations. D'accord. Les vibrations à l'intérieur. Et comment t'as mis là? Il prend la tête, le bambou. Après, il va prendre à l'intérieur. D'accord. Et est-ce que vous saviez qu'on pouvait faire tout ça avec le bambou en Guadeloupe? Oui. On peut mettre à manger dedans. Oui. On peut mettre des crayons. D'accord. Et est-ce qu'avant vous saviez qu'on pouvait faire tout ça? Non? D'accord. D'accord. Ok. Mais vous voyez, vous avez appris quelque chose en plus. Attendez. Coucou les filles. Alors, qu'est-ce que vous apprenez dans votre atelier? Emma? On apprend à transformer les choses négatives en choses positives. On en fait des œuvres d'art. Soit on garde avec des boîtes. Alors, fais voir. Avec des boîtes de cigarettes. Soit on garde fermé. On remplit. Ou soit on garde ouvert et à l'intérieur il y a un QR code où on peut écouter des musiques. D'accord. Ceux qui veulent fermer la porte. Alors les filles, qu'est-ce que vous devez faire? D'accord. Et le but c'est quoi? De faire une? Une tête pleine. Une tête pleine? C'est quoi une tête pleine? On colle plein de trucs dessus pour faire quelque chose de beau. De beau, ok. Et après, si je comprends bien, ça donne les petites boîtes là qu'il a décorées là-bas. L'espèce de sculpture là-bas. Ok. Coucou Sweden et Oram, qu'est-ce que vous faites dans cet atelier? C'est quoi le nom? C'est la vanille. Ça fait juste. Mais à plat, c'est un à chaque fois que tu fais. Avec quoi? Avec des pommes lianes. Pommes lianes, ok. Fais voir, Sweden. D'accord, super. Est-ce que tu savais qu'on pouvait faire ça avec les pommes lianes au Ram? Non. Non? Et est-ce que tu avais déjà fait ça dans ta vie, Sweden? Super, les élèves. À tout à l'heure. Donc, ce que j'ai appris dans cet atelier, c'est que apprendre à toucher à la peinture, apprendre à faire des dégradés de couleurs, apprendre à faire plusieurs pays, plusieurs imaginations de la Guadeloupe. D'accord. Ce qu'on peut trouver dans la nature. Oui. C'est pour ça que j'ai choisi d'être éco-déléguée ou faire plusieurs activités comme ça. D'accord. Ça va continuer. D'accord. Et qu'est-ce que tu as utilisé pour faire ça? Alors, j'ai utilisé un pinceau très fin pour bien détailler. Pour les contours. D'accord. Et qu'est-ce que vous et ça c'est quoi? Sur quoi? Qu'est-ce que vous avez utilisé? Quel support vous avez utilisé? On a utilisé du tissu. Ok. Donc c'est un peu du recyclage alors. Oui. D'accord.